Dans une tourbière, il y a des Sarracénies pourpres. C'est des plantes carnivores qui mangent différents types d'invertébrés. Et donc, quand on regarde dans leur coupole, dans l'eau ou dans le jus qui est contenu dans leur coupole, on peut trouver toutes sortes d'insectes et autres invertébrés. C'est pas mal drôle à voir. On dirait qu'il y a quelque chose dans celle-ci. C'est dur à vider. Ah, il y a des toutes petites affaires dans celle-là. Il y avait une larve dedans, puis elle est vivante. Je m'attendais à des larves de moustiques, mais ça, c'est une autre sorte de diptère. Je ne sais pas quoi. On voit comme ça a l'air de plein de sucs digestifs avec plein d'insectes en décomposition. C'est fascinant. Il y avait du stock dans celle-là. Il y a du stock de moitié digéré. Encore des larves de diptères aussi. Puis quand j'ai fini, ben, je redonne le jus à la plante. Avec les insectes. On y volera pas ça.